Nathalie, merci beaucoup pour qu'on accueille l'équipe de tournage Kotou à Goodlands. Mais avant qu'ils nous rentrent dans le sujet, est-ce qu'ils sont capables de nous un bref aperçu de vos personnalités? Moi, Nathalie, moi, j'habite en Goodlands depuis maintenant plus de 20 ans, parce que mon mari est un Mauricien. Et moi, j'habite une vraiment jolie place qui m'a bien content. Et m'a faire la tisane avec un peu de légumes bio aussi. Nathalie, une question qui m'a bien envie de poser, c'est qui motive vous pour surtout planter des légumes bio et aller vers les tisanes? Alors en fait, mon petit professeur histoire avant, et mon sens complètement, mon arrêt de travailler à l'école, et puis mon petit réfléchir, qui travaille mon capable faire, et mon commence une étude sur plantes médicinales qui appelle phytothérapie. Pendant 2 ans, mon faire cette étude-là, et en fait, il intéresse moi beaucoup. Parce que depuis mes enfants, je suis bien content de la tisane. Et ma maman, qui fleuriste, alors tout le temps, moi habituée, reste dans plantes même. Je pensais que c'est ça même qui attire moi dans ce métier-là. Et après, quand je finis mon étude, je me dis ben, qui je suis capable de faire. Moi, il y a beaucoup de place ici. Je suis content de la tisane, je suis content de la plante, je suis content tout ça, de l'odeur. Et à cause ça même, je vais faire la tisane. Vraiment, nous ici dans un cadre magnifique. Est-ce qu'il est capable de connaître comment l'endroit contribue? Alors, Goodlands, c'est un climat un peu difficile. Donc, il y a beaucoup de plantes qui m'ont essayé, qui m'ont pas réussi. Mais disons qu'il y a beaucoup la chaleur. Dans décembre, il y a un petit peu compliqué. Mais je suis capable d'adapter. Disons qu'il y a beaucoup de facilité, c'est qu'il y a de l'eau. Et là, moi, il y a un bon la terre et moi, il y a de l'eau. Ça qui aide moi beaucoup. Nous tout connaissons, nous avons beaucoup de recettes grand-mère. Est-ce que ça a une connaissance là et d'où dans une pratique? Comment me faire? En fait, nous remarquons que dans une recette grand-mère, il y a une connaissance qui appelle empirique. Il veut dire grand-mère monte aux tifis, tifis monte aux enfants, comme ça même qui n'arrivait. Et comment grand-mère connaît ses connaissances? Depuis toujours. Et en fait, quand un laboratoire fait des études avec une plante là, vous avez remarqué que toute une connaissance empirique la même, c'est vrai. Donc, je pense que les gens étant longtemps, ils tiennent une connaissance comme si intuitive, comme si ils connaissent parce qu'ils sont en contact avec la nature. Alors, une tisane grand-mère lit souvent une tisane qui la science finit prouver qu'il est vrai. Donc, la base est là. La base est là. Disons, vous avez remarqué que 75% des connaissances des grand-mères, ça même. Sa connaissance la vraie. Il y en a une partie qui pas trop, mais la plupart. C'est vraiment passionnant ce que vous pouvez partager avec nous. Mais retourne aux sources, gagne contact avec la terre. Nous avons envie de connaître comment vous vivez dans la vie de tous les jours. Mon but déjà, c'est que mon pensée qui nous besoin retourne avec la terre. Nous besoin retourne dans la nature parce que la société aujourd'hui, veut faire un drôle de choix. Disons, on a dans le bâtiment, on coupe notre contact naturel. Parce que nous paraît comme animaux. Enfin, nous pas animaux, mais nous bizarre ce contact-là avec la nature. Et nous couper nos vraies relations. Et dis-moi, vous êtes malade, vous pas comprendre qui fait un autre malade dans votre esprit, dans votre corps. Et m'en penser qu'ils ont mangé des affaires industrielles, chimiques, qui pas bon. Tout dis-moi, pas un cancer, tout dis-moi, pas une maladie, mais qui faire. Parce que nous coupons nos liens avec la nature. Et Maulé retrouve ce lien-là, sa connexion-là qui nous est là. Et il est bien, bien important pour soigner. Parce que nous nous soignons avec médicaments chimiques, mais beaucoup de médicaments donnent maladie. Alors qu'il y a une plante-là, depuis toujours, nous hommes servi plante. Mais Nathalie, ce n'est pas toujours facile pour nous retourner à la source. Parce que, disons, moi, j'ai un bout de terrain. Je décide pour faire des légumes bio, pour faire de la tisane. Ok, je servis une technique grand-mère. Mais quand même, ça la terre-là, l'idée demande un savoir-faire. Je ne pas pour arriver au résultat. Il demande un savoir-faire, mais bon, les gens qui plantent, ils ont l'expérience. Et je pense que l'expérience est plus bon. Bien sûr, capable de lire, ben livre. Capable d'être aujourd'hui, nous avons Internet avec une quantité de connaissances extraordinaire. Donc ça aussi, il est important, la science là, il est vraiment important. Mais en même temps, nous besoin écouter nous l'intuition, nous besoin écouter nous connaissances depuis longtemps.
et nous retrouve lui quand nous perdons. Mais vraiment, il n'y pas arrive comme ça. Il n'y pas un travail facile. Surtout qu'il y a tellement depuis longtemps servi ban pesticides, ban chimie, il abîme la terre, il abîme l'air. Nous besoin retrouve sa qualité, la terre, qui tient dans Maurice les temps longtemps. Mais plus nous pouvons faire bio, plus nous pouvons retrouver ça. Mais ou capable faire lit dans outil la terre, avec un peu patience, un peu des temps, un peu connaissance, un peu lecture et surtout beaucoup l'expérience. Ou essayer, lit pas marcher, ou essayer quelque chose, lit pas marcher, comme ça même qui bizarre. C'est qui m'a envie de connaître aujourd'hui, quel type d'herbe que vous servez pour faire ban artisan. Alors moi, il y a plusieurs herbes. Moi, il y a romarin, ban plante classique même. Romarin, ditin, moïna la sauge, qui m'a extra content les mots plantes, comme s'il préférait ça. Moïna mouroum, moïna yapana. Là, mon plante, plusieurs autres plantes, moi, pour développer un nouveau latisane avec ça, moi, pas encore essayé. Orthosiphon, moi, mettre pied sévia aussi. Donc, tulsi, basilic, enfin, moïna beaucoup, beaucoup qualité pied. Donc, moi, planté. Et puis ensuite, m'ont fait bouture beaucoup parce que disons une pied la sauge, il dure 2 ans, il est un peu difficile pour planter. Donc tout le temps, m'ont fait tout le temps, moi, il y a beaucoup bouture. Et après, quand ça plante là bien en terre, m'ont pas mettre produits chimiques bien sûr dedans parce que moi, il y a une certification, label bio pour ban la tisane. Et ben, quand nous finissons la plante, nous récolter. Et comment nous récolter? Nous récolte feuille par feuille, comme si. Il ne faut pas faire une coupe, une grosse branche, crase-li et dans mon latisane, mettre ce bâton, tout. Non. Mon fond, feuille par feuille à la main. Donc il y a un gros, gros travail, ce plus gros travail, ça. Le travail, la récolte. Après, vous en connaissez qui, une plante qui perdue un 75% au moins ce volume dans des lots. Il veut dire, mon prend un gros panier de latisane comme ça, mon mettre li sec, mon pour gagner un petit peu comme ça. Donc, vraiment, ça, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup le temps. Ensuite, nous mettons les secs. Non, nous pèse les d'abord. Nous besoin pèse ce poids frais. Après, quand nous finissons, nous marquons les, nous marquons ce date, tout. Et puis, nous mettons les secs dans une armoire spéciale. Qui fait, nous ne pas mettre dans le soleil. Ben, le soleil, là, il est trop fort. Il brille tout ban molécules qui bon molécules pour soigner, en fait. Donc, si toutes les molécules sont brûlées, ben, ce latisane, il n'y a pas pour non rien dedans. Donc, il y a un armoire spécial. Ensuite, quand on finit de mettre sec, on pèse toujours, on ramasse et on met sodate. Pico sauge. Et sauge, c'est une plante qui est difficile pour propager. Oui. Comment on fait ce qui. On fait bouture et puis on a la main. Rita, qui travaille avec moi, il y a la main aussi. Il nous fait bien attention, mais il nous prend le temps. Il veut dire peut-être qu'on a perdu 25, 30, 40, 50 plants sauge avant de gagner 10. Il y a un travail, la patience. Moi, si posé, il y a une façon où découpler. Oui, comme si il y a une façon, bien sûr, qui place, bien couper, etc. Là, je propose où je peux inviter dans l'endroit, dans mon petit atelier, quand je fais la tisane. Comme ça, où pour guetter comment nous mettre sec, comment je ramasse ban plant dans ban bocaux, et comment la tisane finit vini. Et nous pouvons montrer aussi pour un boule massage qui appelle tampon de Siam. Pour une bonne massage là aussi. Moti dirou tout à l'heure qui nous pas mettre dans le soleil, sinon ban molécules, ban bons ingrédients là pour briller avec soleil. Donc nous mettons dans une armoire spéciale qui gagne un peu la chaleur et aussi qui pouvine sec. Voilà l'armoire séchage qui permet de mettre sec tout ban qualité feuille. Il pas sec ban racine comme safran, comme zinzambre parce que il pas assez fort. Mais l'issec feuille. Alors ça me montre où, disons, bâton la sauge. Alors ça, nous couplie avec ce bâton, contrairement à la tisane, parce que ça, il peut faire un fagot de sauge, je l'y appelle. Il y a un bâton de purification. Il nettoie ben l'énergie, il nettoie ben le lieu, il nettoie ben d'immune, si vous avez une mauvaise énergie. Donc la sauge, il y a une plante vraiment très très importante et une plante sacrée. Qu'ils ont servi depuis longtemps, tout ban chaman, tout ban guérisseur, servi sa plante là. Alors, ban vertu la sauge là, il est vraiment multiple. Pour ce bâton, nous nous servis sur la fumée. Donc, nous brûlons ce bâton pareil comme un de l'encens. Et avec ce
la fumée nous passe dans tout ban endroit qui a un peu mauvaise énergie, nous nettoie ban l'énergie d'immune. Ça, c'est pour ce bâton la sauge. Maintenant, pour boire, la sauge là, il y a une très très bonne plante pour toute qualité malade. Et dans les temps longtemps, ça veut dire si on a de la sauge dans son jardin, nous pas besoin de docteur, parce que la sauge là, est extra. Il est bon surtout pendant une madame qui peut faire son ménopause, parce qu'il y amène ban même vertu qui ban hormone là. Mais il faut faire quand même attention si nous enceintes, si on voit famille, tout ça, pas servi. En cas de cancer, il n'est pas bon, pas servi la sauge. Mais sinon, il y en a beaucoup, beaucoup vertu. Nous pouvons faire une petite pause et Rita pour nous montrer nous comment faire boule de massage qui appelle tampon de Siam. Là, nous avons des herbes qui finissent sec. Ok, vous trouvez là, il y a un petit peu de feuilles tulsi, basilic, qui donne parfum dans boule en fait. Et ça, une feuille là, quand il est sec, à ce moment-là, nous prend tout, nous crase tout ensemble avec d'autres plantes. Donc, il y a la poudre vraiment qui poêle dans une boule qui appelle tampon de Siam. Tampon de Siam, il y a une boule massage pour une ispa. Et la poudre là, vraiment écrasée bien, bien fin. Pour qui, comme si client bien satisfait, ils ont peine à douleur avec ban petit piquant. Et avec ça, il y apporte une décontraction musculaire. Il y a une vraiment extra produit pour ban boule là. Et vous pouvez trouver Rita qui peut faire ce boule massage. Il peut peser sur l'ingrédient et après faire boule avec la toile et avec cordon. Quand boule là pour arriver dans le spa, vous chauffez boule là, soit avec la vapeur, soit lors une plaque chaude. Et sa chaleur-là dégage ban d'huile essentielle, ban molécules qui décontractent ban muscles. Donc il est vraiment bon et ban boule là, bien sûr, vous bio. Et ban masseuse-là trouve ça vraiment un produit intéressant. Ici, vous pouvez trouver tout ban plant qui les finit sec et les finit ramassé. Et vous êtes dans beaucoup bien fermé, bien hermétique, fermé dans un armoire, quand vous êtes peiné à la lumière, vous êtes peiné à la chaleur. Okay? Et ne pas garder trop longtemps, comme si vous ne gardez pas un gros stock exprès pour ban moisi, pour garder tout ce ban qualité. Après, avec tout ça ban plante là, l'outil montre au boule de massage, il y a aussi un fagot de sauge, je vous explique tout à l'heure, sa qualité pour nettoyer ban énergie là. Les fagots de sauge. Après, ban fagots de sauge, mon produit qui est plus important, comme si, ban création même, qui la tisane. Alors, moi, il y a des qualités packaging, et il y a ban la tisane dans boîte, et puis dans paquet. Ça, la tisane-là, elle est bien bon, il y a ben la tisane détox pour nettoyer tout ban l'organisme, et comme si, moi, profiter pour cause avec quoi un petit peu la romarin. Personne pas cause romarin, moi pas comprend qui faire parce qu'il y a une plante miracle. Alors ça, l'infusion là, lie avec yapana. Tout le monde dans Maurice connaît yapana, ok? Et mon mélange lie ensemble avec anis étoilé qui appelle badiane, parce que tous les deux ont une bonne vertu pour ban problème d'estomac avec ban digestion. Donc pour quand on bien manger, quand il y a un repas un peu lourd ou mange un peu trop épices, tout ça. Il n'y a pas pour être doux, pour digérer même. Mo profiter pour causer aux autres à propos safran. Safran qui appelle safran des Indes, safran vert ou curcuma. Il y a une plante qui est vraiment extra bon pour la santé. Et vous avez remarqué qu'il dans l'Inde, madame, il y a moins de cancer du sein que dans les autres pays. Et vous autres pensées, les scientifiques pensées qui lient grâce à safran là. Si vous prenez une petite cuillère des grammes safran tous les jours, il peut vraiment aider ou les corps pour combattre ban maladie. Nous gagnons l'occasion cause tout ban faire la tisane. Comment nous faire la tisane depuis son commencement, depuis son récolte, depuis son packaging. Donc là, quand tout, ou capable faire pareil. Il veut dire ou capable profiter qu'il nous ait à l'espace dans Maurice pour planter des trois petits plants, ou capable planter une plante romarin, ou capable planter une plante dita. N'a pas besoin de mettre médecine parce qu'il y a une plante aromatique, vous n'avez pas besoin.
Et là, tous les jours, vous pouvez mettre une petite infusion, en 15 minutes, 10 minutes, dans une tasse avec de l'eau chaude. Et disons, des trois fois par jour, vous pouvez boire lit tranquille et vous pouvez savourer ou bon la tisane. Fervier, vin neuf, c'est thème nous l'émission aujourd'hui. Nous vous donnons autre ban l'idée et montrer autre comment faire ban décoration pour autre la case exode. Je suis en Chine l'année dernière, je suis retourné, ça fait maintenant peut-être 6-7 mois avant virus corona. Et étant je suis retourné, j'ai eu l'idée qui fait passer vie ban affaires qui ban déchets. Par exemple, aujourd'hui, je connais beaucoup de monde, beaucoup d'affaires partout. Je ne suis pas content de recevoir quelque chose qui se design. Mais j'ai eu l'idée qui fait ne pas me nettoyer, ne pas peindre, ne pas repeindre, ne pas refaire une neuf. Et à partir de ça, je commence à poster un peu dans mes réseaux sociaux ce qu'il me fait. Et là, c'est comme ça que mon récit fait me accompagner aujourd'hui. Au fait, mes parents sont contents de mon dépôt vente. De ma place que nous avons des déchets, des trucs qui ne m'ont pas servi, ma vie la table, vie l'homme, ma vie d'exi qui pas servi. Et à partir de ça, nous avons une façon pour nous réussir à faire des vignes affaires nouveaux. Par exemple, vous trouvez ici, vous trouvez un vieux bouloir, ok? Un vieux bouloir qui nous a un dépôt vente et qui nous a salonné 15 roupies. Mais après, qu'il nous refait une façon à pour servir. Vous pouvez mettre une plante là-dedans, vous pouvez faire une décoration, vous pouvez faire beaucoup d'affaires à lui. À cela, comment nous faisons des produits, comment nous faisons des matières premières, nous refaire les vignes neufs. Très simple. Nous allons au côté du bois. Okay? Donc, du bois, normalement, on trouve du bois. Il y a du bois qui est maçon servi, vous faites du bois construction, du bois qui est une palette qui peut gagner des cordes. Comment nous carrer service avant du bois là? Très simple. Donc au fait, nous besoin de machine pour polir, pour découper tout ça là. Comme on connaît, un du bois, il a la vie, ok? Mais il est fatigué avec les temps, il est fatigué avec les dents. Donc c'est ce que nous faire, nous redonner ça la vie qui est avant là, ok? Nous passons le papier sablé, nous nettoyons, nous faisons des vignes propres, nous redonner ça la vie là. Et quand il regagne ça la vie là, nous carrer beaucoup d'affaires là. Nous avons un cours de bois aussi qui nous fait et nous avons un étudiant qui vient de trouver un vieux bout de bois qui n'est pas connu pour faire au lit. Mais quand nous prenons sa machine rabotée, là, nous rabotons, nous nettoyons les lits, il vient du bois très très joli qui est impressionné. Mais j'ai mis ça du bois, nous avons fait beaucoup d'affaires au lit. Qui, au départ, je trouve un petit bout de bois dans la rue, soit des hauts, dans une boîte, parce qu'il n'y a aucune idée, parce qu'il n'y a aucune façon pour réussir à faire les vignes, ça qui était acheté là. Avant le confinement, personnellement, moi-même, j'ai réalisé qu'il y a du monde qui est un peu trop matérialistique, de trop contacter qui se dépenser et qu'après, ils étaient. Okay? Donc, le concept même de l'idée d'inspiration, ce n'est pas vendre. L'inspiration, c'est encourager le monde à apprécier ce qu'il y a autour de eux-mêmes. Il est capable d'un objet, il est capable d'un déchet, il est capable d'un monde. Mais nous encourageons le monde à prendre soin de ce qu'il y a autour de eux-mêmes. Okay? Donc, c'est ça nous l'inspiration. Et à partir de ça, nous faisons beaucoup d'affaires, beaucoup de trucs sociaux, ben, social work, qui nous fait beaucoup de ben classe de bois. Parce que ce qui fait, nous n'avons pas envie de vendre, mais nous envie d'encourager les gens à prendre soin de ce qu'ils ont autour de eux-mêmes. Et ce qui me fait, tous les jours, moi, c'est observer, moi, faire une recherche en ligne. Moi, vous trouvez tous les soirs, vous m'avez dormi. Online, vous rôdez, mes affaires, mes trucs tendance qui attirent les Mauriciens. Okay? Et moi, je me réalise avec mes recherches qui, de nos jours, les Mauriciens peuvent être des choses qui, comment dire, des choses qui économiques et pratiques. Par exemple, deux jours de cela, je me trouvais qui a l'idée de faire un shelf avec la table qui est capable d'incliner. Donc, il est très intéressant qu'il fait à cause, bon, il sauve l'espace, à cause c'est un étagère qui est la table au lit. Et quand on peut servir, quand c'est vidéo la cuisine, on peut les vides baisser là-haut. Pareil comme Man Lili, comment sauve l'espace que Man Lili est capable d'incliner et monter. Et ça, c'est une idée, une tendance qui devient très populaire à Maurice. À cause que c'est une façon que nous sommes capables de l'espace, nous sommes capables de ne plus beaucoup l'espace qui vient de la case, et en même temps, nous pouvons être plus économiques dans ce qu'il nous peut faire. Okay? Aussi, nous avons un produit, vu qu'il nous peut servir un produit recyclé, un déchet, il devient un peu plus rentable pour les Mauriciens et pour nous-mêmes.
malgré la durée, il n'est pas autant long qu'un produit neuf, mais il est plus rentable dans une durée raisonnable. À cela, nous avons plus côté, côté les plantes. Okay? Donc, de ce moment, déchets que nous gagnons là, nous avons gagné man Dixie, man boîte, par exemple, des déchets industriels, que nous gagnons une boîte en métal, en inox, qui peut rouiller, pas peut servir. Nous prenons ces affaires qui nous déjà là et nous transformons les en nos affaires. Par exemple, des carabines de poufler, des carabines de servir un tronc, un pied, nous pouvons faire des vies de bougeoir, nous pouvons servir une botte, une souillée, nous pouvons planter là-dedans. Et c'est une façon que nous réussissons à intégrer ce que nous pouvons faire, des déchets, recyclage, avec des plantes. Okay? Donc, c'est une façon aussi pour nous encourager les gens à servir des affaires simples, des affaires qui sont très intéressantes pour décoser de la case d'une façon assez économique. Donc, comme je suis en Chine, pendant 7 ans, je suis bien content de l'expérience en Chine. Ce qui m'a trouvé là-bas intéressant, c'est qu'ils sont contents de servir des petites affaires simples. Par exemple, même côté plantes, côté jardin, de servir des petites plantes, sur la rue, de trouver des petites affaires intéressantes, de acheter, de prendre lit et de faire des affaires intéressantes que d'autres. Par exemple, en Chine, il y a beaucoup de bâtons bambou avec des petites racines, de mettre dans de l'eau. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est de reproduire, de faire un design, un truc intéressant, ça, de mettre ça dans la case. Et pour les Chinois, en fait, les plantes, c'est un symbole, un signe, qui a pour toute la chance. Par exemple, un bâton bambou, il est supposé pour toute la chance. Donc, vous trouvez dans la case chinoise, vous mettez beaucoup de bâton bambou là, dans différents pots, pour porcelaine, pour en métal, et ils ont fait ça. Et ce qui moi, je suis bien content en Chine, c'est qu'ils sont bien traditionnels et ils gardent cette culture. On a un petit fait un croquis de ma petite idée qui m'a à cause de mon expérience en Chine, je suis appris en architecture. Et je suis content de faire un petit design dans AutoCAD, dans le computer. Et grâce à ça, je fais un petit produit en 3D dans l'ordinateur. Et c'est à partir de ça qu'il nous fait un produit là. Okay? Et nous avons aussi une option, que nous encourageons les gens à venir vers nous et que nous avons aidé aussi à faire un produit en customisation. Par exemple, il y a des gens qui viennent, qui ont un problème les deux, ils n'ont pas pu avoir sans que vous avez fait une table, une chaise, qui ont différentes hauteurs. Nous pouvons faire un croquis pour eux, nous pouvons aider eux, nous pouvons réaliser des affaires pour eux réussir à satisfaire leurs besoins. Okay? Donc c'est ça, c'est que nous faire, nous pas n'être produit standard, acheter ça, mais nous envie être plus flexible pour nous satisfaire maximum du monde à un bon prix. Donc c'est que nous faire, nous encourager du monde, venir vers nous, qui problème oui, qui est capable, un apport, de connaître comment family, baby family, mettre une barrage au lit, soit même dans la maison, des morceaux de bois qui ne sont pas servis, qui ont envie de faire des affaires, la table ou un armoire ou un truc pour garder devant qui se passe, nous, je garde nous ce qu'ils ont besoin et nous pouvons faire nos best pour nous réussir. Et même man du monde qui est dans la cuisine, man du monde par exemple si on a man déchets, on a beaucoup salé dans la cuisine, on coupe les légumes, on fait qui se vous êtes lit, ou qu'à penser à man qui se jamais, ou qu'à faire compost, ou qu'à pas faire un petit coin jardin, ou qu'à mettre prendre un petit bois de conserve, faire des affaires lit, plante pied, légumes, tout ça là, ça c'est un petit pas, au fait c'est un petit pas qui pour réussir encourage vous à faire un petit changement.